les vies arrachées au règne de l'arbitraire, faire advenir une justice qui, parce qu'elle s'est faillible et qu'elle se veut humaine, cesserait de couper les hommes en deux. Vous avez été exaucé. La révolution que vous avez portée s'est ancrée dans la vie de la nation française, sans que n'augmente, comme le prédisaient alors vos opposants, la criminalité sanglante. Elle est même devenue un principe constitutionnel depuis la réforme initiée par le président Jacques Chirac en 2007. Surtout, l'abolition n'a cessé de progresser partout dans le monde. Alors que la France était, vous l'avez rappelé, le 35e État à abolir la peine de mort en 1981, 106 États ont à ce jour emprunté cette voie, quand 50 autres respectent un moratoire de droit ou de fait sur les exécutions. Et l'Europe qui, par la voix de Beccaria, fut la première à dénoncer cette abomination, l'Europe dont l'exemple vous avait tant inspiré en 1981, l'Europe est depuis 2002, et le si essentiel 13e protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, un continent sans peine de mort. Seule la Biélorussie, dont vous avez rappelé la singularité anachronique, se distingue. Alors nous réunir ici, 40 ans après, c'est d'abord nous réinscrire dans une histoire. Celle de Condorcet, qui fut un ardent militant de l'abolition avant que la Convention nationale ne l'adopte pour la première fois en 1795. Celle de Hugo, qui fit prendre conscience à tout un peuple de l'abomination que représente la peine capitale. Celle de Jaurès, qui disait « La peine de mort contraire, je le cite, à la fois à l'esprit du christianisme et à celui de la Révolution. » Car c'est bien l'histoire d'un combat de conscience dont il s'agit. L'essentiel se joue dans l'impératif de la confiance, et c'est la leçon même de notre civilisation. Mais nous réunir ici aujourd'hui, c'est également choisir de mener ensemble un nouveau combat. Un combat de résistance. Car en France comme en Europe, des voix que l'on croyait étouffées ressortent des tréfonds de l'histoire pour appeler au rétablissement de la peine capitale. À ceux qui défendent cette justice qui tue, lisez. Lisez le témoignage de Monique Mobelli, qui, magistrate commise d'office, a consigné dans des lignes glaçantes le déroulement de la dernière exécution réalisée en France, celle d'Amina Djandoubi. Et dites-moi, dites-nous, si vous n'êtes pas saisis par le vertige de l'effroi face à la machine aveugle, métallique, de l'administration de la mort. Ce texte poignant, vous l'avez fait afficher dans le vestibule de l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, et il dit à lui seul ce que la justice du pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne peut plus jamais être. L'abolition est un progrès des droits de la personne qui s'est incorporé à la tradition nationale. Notre responsabilité est de le protéger et le transmettre. Combat de conquête aussi. 483. C'est le nombre, certainement sous-évalué, d'exécutions qui ont été perpétrées dans le monde en 2020. 483 meurtres d'État administrés par 33 régimes politiques qui ont pour la plupart en commun un goût partagé pour le despotisme, le rejet de l'universalité des droits de l'homme, mais pas uniquement, et vous l'avez rappelé. À chaque fois qu'une femme, un homme, est condamné à mort par d'autres femmes, d'autres hommes, ce sont bien les valeurs universelles portées par les Lumières qui se trouvent bafouées. C'est ce que profondément nous sommes, une civilisation qui ne tient que par la fin de la violence et le primat de la dignité de la personne humaine qui est alors remise en cause. Car oui, il y a au fondement de notre justice ce principe de réparation,
ce droit et cette considération pour les victimes dont vous avez rappelé l'importance, mais la reconnaissance aussi faite à chaque citoyen de sa dignité et de son droit à devenir meilleur. Je vous annonce donc, en ce 9 octobre 2021, que la France va relancer le combat pour l'abolition universelle. Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, nous organiserons à Paris, avec l'organisation non gouvernementale Ensemble contre la peine de mort, une rencontre au plus haut niveau rassemblant les sociétés civiles des États appliquant encore la peine de mort ou un moratoire, afin de convaincre leurs dirigeants de l'importance et de l'urgence de l'abolir. La France, comme vous me l'avez suggéré, avec ses partenaires de l'Union européenne, présentera à la prochaine Assemblée générale des Nations unies un projet de résolution pour que chaque année, les États n'ayant pas aboli la peine de mort communiquent à l'Organisation des Nations unies le nombre de condamnations prononcées et le nombre d'exécutions pratiquées. Combat universel que nous mènerons en européen, encore et toujours. Mesdames et messieurs, partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Ces mots sont ceux de Victor Hugo, dont l'esprit souffle ici, et disent l'importance du combat de civilisation auquel vous avez grandement contribué, cher Robert Badinter, et que la France et l'Europe entendent poursuivre avec détermination. Vive l'abolition universelle !